Le break de ce soir est une gracieuseté de TW Sports Card. Et le grand TW Sports Card, c'est le fauteuil chuchu qui garde. Hey. Et tabarnak! Méchant accident, mon homme. Une chance, j'avais mon casque. Ah, t'es là? Ah, puis toi ici? Let it go. La protection de la dédicace. Ouais. Ouais. Parce que je couche avec, faut qu'elle se protège. Dis-moi donc, me vois-tu? Non, je te vois pas. Elle a crissé le camp, elle aussi. Comme ça. C'est bon. Merci. Donc, bonsoir, bienvenue au break. Je pense qu'on est rendu au numéro 16. Moi, je compte plus. Je compte juste qu'on arrive au multiple de 10. Parce que je sais que j'ai un tirage à faire et j'ai des petits cadeaux à donner. Oui, numéro 16. Donc aujourd'hui, on fait du Flair Showcase. Aujourd'hui, ce soir. Tau, 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 à l'heure des cowboys. Donc, j'en connais un. Attends. Deux. Ouf, vous êtes pas loin de 10 à dormir déjà. Fait que. On commence avec. Mais y en a un qui dort pas. Ben oui. C'est Ben McNeil, mesdames et messieurs. Donc. Tu devrais te faire une cascade, va dire ce break est payé à moitié par Sylvain McNeil. Alors, voilà, je vais juste dire que je suis live avant qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dise hey, Dave Durant, c'est un crosseur. On dit masturbateur en passant, ok? C'est pas nécessairement par choix, c'est une nécessité. C'est ça. Quand vous aurez mon nom, je comprends. Alors, je vais dire live. Puis là, il y en a qui vont crier. Hein? Où ça? Je t'avoue pas, je te pointe pas. Tantôt. C'est parce que moi, là, je suis dans les eaux des eaux internationales. J'ai pas le droit de faire ça, moi, au Canada. Fait que je suis dans les eaux internationales. Je vais pas me pogner. OK. Quand je finis ma vidéo, je rentre chez nous en ramant. Puis après ça, ben, arrêtez quelques gars. Puis après ça. Et là, c'est là que je fais le transfert vidéo. Le transfert, il est fait au Québec. Mais le break, il est fait dans les eaux internationales. Fait que, voilà. Donc, bien préparé, j'ai oublié mes ciseaux. Tu vois-tu quelque chose de coupant autour de toi? Premier tiroir au pire. Non, l'autre bord en arrière. Puis peut-être en levant ta tête, tu vas trouver mes ciseaux au-dessus du micro-ondes, genre. Dans le fond. Une facture du cerveau. Merci. Une facture du cerveau. Donc, boîte bébé, tu veux-tu regarder en même temps que moi? Donc. Bébé 01269408 06. Bravo. Tout aussi bon que moi. Ah, je suis compté jusqu'à 10, moi. Ouais. 10 millions! Tu te souviens de ce film-là? Non. Donc, ça a l'air que j'ai décidé que je commençais par ça. Ça, c'est Jumeaux. Jumeaux avec le mauvais film avec Arnold Schwarzenegger, que j'ai tellement aimé quand j'avais 10 ans, je pense. 10-12 ans, là. Je vais mettre dans ma collection personnelle, j'ai besoin d'une Connor McDavid pour mettre côte à côte avec ma Gretzky. Tu veux... Ouais, Ben McDavid. J'en ai vu une belle aujourd'hui, McDavid. Il y en a de la belle. Là, pour pas mal chance, il y en a un qui veut une or. Okay. Puis il y en a d'autres qui veulent juste avoir un hit. Il y en a qui veulent avoir une Matt Pompo. Il y en a là-dedans, mesdames et messieurs. Y a-tu quelqu'un qui veut Matt Pompo? Ottawa. Ouais, non, mais il est sorti à la fin. Donc, premier paquet, j'ai lu tu quelque chose? Bonne chance. Il me semble que les cartes qui ont de l'air épaisses. Donc, allez de même, tout le monde va voir. Base. Ça commence à briller. Pour les Islanders, j'ai pas le nom de celui que les Islanders. Donc, une jersey de John Tavares en Flair Showcase. Voilà, je vais la protéger, ce sera pas bien, bien long. Donc, toutes des bases. Qui a les Islanders? Kevin Dupuis. Ah, ben oui, Kevin, c'est vrai. Il fait, hey, je vais prendre ceux-là, puis ceux-là. Il m'écrit en premier, je prends les blues. Mais c'est toi qui as collé les blues. Fait que là, je suis comme mal à l'aise. Écoute, j'espère que tu vas trouver drôle celle-là. OK. Dans ma commande, j'avais pas de plastique pour les jerseys. Donc, celle-là vient de
de ma collection, là. Tu sais, c'est un qui était disponible. C'était le seul. Okay. Il y en a deux par boîte. Fait que si tu veux, là, je te donne 5$ pour ta carte. Ça qu'elle vaut, hein. Ouais. Ça qui est marqué. Avant de rentrer, là. Tu vas mettre le lien YouTube après. Oui. Bien. Oui, Martin Gravel. Donc, merci en même temps de m'écrire. Ça me permet de montrer. D'étirer ça, ouais, pour ceux qui n'aiment pas ça, les tirages. Comme ma femme, il faut que ça soit vite. Moi, j'aime ça long. Ouais. Je me souviens, mais comment elle appelle ça? Une larve, quelque chose. En tout cas, il y a des enfants qui regardent. Je m'excuse. Ça va falloir que je marque 18 ans et plus. Alors, donc, oui. Plus tard. Oui, on a. Merci Sylvain! Sylvain Doucet. Je suis entouré de Sylvain. Puis après Sylvain, c'est Syl 30. Si tu veux savoir ce que t'as pas dit, je te l'ai envoyé par message. À qui? À Martin Gravel. Ok. Bon, hey! Ici c'est plus épais. Oh! Ah! C'est qui? Qui? C'est moi! C'est toi? C'est quoi? C'est-tu moi? C'est Colorado. C'est pas moi. Donc, pour le Colorado, une belle Rookie Auto Material Red Low numérotée sur 25, la 9 de 25 de Mikko Rantanen. Oh, wow. Donc, c'est Jersey, ça? Jersey Auto. Mais je sais pas si c'est Jersey, c'est, ça a l'air d'un bas, c'est du tricot. Ah, c'est pas une patch, je pense? Non, c'est pas la Rookie Auto Patch. Ça, c'est les bases? Non, c'est pas la Rookie Auto Patch. Est-ce qu'ils disent derrière? Là, le mot. Hey. Game News Event. Autograph. Non, ils disent pas ce que c'est. Ben bravo! J'ai toujours aimé ça. L'année passée, puis l'année d'avant, je participais en malade. C'était Jamie Northrop qui faisait des breaks de ça, que je salue. Moi, je participais juste au mini. Regardons ça, tu vois. Je ne sais pas si tout le monde veut savoir qu'ils ont des hits tout de suite. Hein? C'est ça le problème. Mais là, je demande à Martin s'il veut le savoir. Moi, okay. J'envoie via right away, tu sais. Hey, Martin, tu viens de frapper. C'est qui Colorado? Es-tu capable de voir? Ouais. Ou ouais, on doit voir ça assez rapidement. Là, merci. Monsieur. Donc, ici. Colorado, c'est à moi qui voulais le prendre. C'est Pierre-Luc Gagnon-Fortin. Bravo, Pierre-Luc. Donc, base. Ah, je pensais que c'était un décoy. Je suis content. Donc, pour le Lightning, un Steven Stamkos Flair Showcase. Martin Gravel. Félicitations. Un beau decoy. Martin Côté. All right. Une belle Gretzky dans ma PC. Et Shane Doan. Donc, là, je viens de dire, là, comme. Oh, je veux. Oh. Si c'est moi qui ai à Los Angeles, ça en est dans ma PC. Ouais, mais c'est pas tout qui l'a, Los Angeles. Los Angeles, c'est Marco Gione. Marco qui participe à son premier break. Alors ça, j'ai ça. Ouais, je vais l'envoyer. Ah, pas de ouais, problème. Mais s'il y a un hit, là. Ouais. Voilà. Oh, je vais protéger ça dessus. Bon, Marco qui se réveille. Marco, hein, tu l'as entendu? Marco, ils auraient fait, il est à la chaîne, hein, fait que ça se rend ici. Quoi, qu'il t'a envoyé un message? En tout cas, Chaume se rend mal ici, okay, mais. À ce point-ci, là, les tam-tams du Mont-Royal, ils se rendent bien, mais je viens de passer devant. Il y avait à peu près 2-3 000 personnes. Il y avait encore de. Ah oui, ça jouait de la musique, là. T'es-tu sérieux? Il y a encore des événements, c'est drôle, hein. Ah ouais? Je suis plus dans ce monde-là. Je te dis, c'était plein, là. Il y a plus de beau monde dans ce coin-là le soir qu'il y en a le jour quand je viens. Ah ben oui, donc ça c'est clair. Là, c'est parce que le beau monde sort après 8 heures. Ben, c'est parce qu'il travaille ce beau monde-là pour se payer une belle vie de même. Tu sais, juste moi là, qu'est-ce que je fais dans ce quartier ici? C'est que mon ex il demandait. Pour vrai? C'est insultant les questions de moi. Ah, elle dit, il reste comme sur le plateau, là, sur Henri Julien. Tabarouette, t'es un coin de riche, là? C'est pas un coin de riche. Toi qui reste à Vaudreuil, chose qui est dans un coin de riche. Salutations à Parmélie. Je sais même pas si ton ex connaît Parmélie. Non. Parfait. Donc, qui Dave, ma Bobby Orr? Attends, je suis pas rendu au Tartifiac. Ah, c'est l'Artifiac qui veut, lui. Ben, il a parlé d'Artifiac. Artifiac. Tu sais,
Avez-vous vu ma belle tuque de Upper Deck? Mon chandail de Panini que j'essaie de cacher, là. Dual rookie. Donc, base. Oh, Oscar Lindbergh pour les Rangers. J'ai même pas remarqué qu'il a pris Rangers. Donc, un autre beau decoy, c'est le fun. Les rangers, Martin Ravel. Bravo, Martin. C'est le fun. Fun quand c'est pas toujours le même qui écarte. Malade, ça commence en fait, c'est pas vrai. Hein? En tant que breaker, je devrais dire le contraire. C'est le fun quand c'est toujours le même, fait que ça me coûte moins cher de poste. Moins cher de shipping. Oui, fait que ça compense les cadeaux. Mais, c'est ça. Moi, j'ai pogné une plus belle à Scarlett Bay. J'ai pogné une belle à Scarlett Bay. Oh, ouais, j'ai une terre. Oui, ça me fait chier. J'ai laissé partir une peau Kenan. Voilà, on va montrer plus proche. Hein? Puis là, l'autre, il est jaloux, tiens. Ouais. Hein? Puis l'autre, il est jaloux, lui surtout. Hein? Ouais, tiens. Ça, c'est un bon hit, ça. À date, c'est ça, l'hit de la boîte. Ouais. Je pense que c'est peut-être la patch, ça. Ça se peut. Parce que moi, la mienne était comme ça, avec une scène, puis... À moins qu'il y ait une rookie auto-patch en plus, puis ça serait les deux dis-moi donc, toi. Moi, dans mon pool à long terme, là, mon frère, hier, avant de sauter sa coche en malade mentale, il m'a proposé... Perry Getzlaff contre Sean Monahan. Moi, dans ma tête, je le fais pas, mais est-ce que je devrais faire? Pour l'Arizona de Martin Côté. Max Domi. Ah. Martin Gravel, c'est-tu lui qui a poigné ça pis ça, non? Martin Gravel, il a pas. Je pense que c'est ça pis ça. Quoi, il t'a écrit? Ouais, il m'a écrit oui. C'est quoi qui m'a marqué? Il m'a répondu, il me semble, de deux secondes. Donc, base et okay. Base, l'autre c'est un decoy, puis Martin Côté, ça c'est pour les grosses, les petites grosses. Et les grosses, là, j'ai rien contre les grosses. Je les aime, les grosses, mais pas les grosses qui ont des petits totons. Oh. Tant qu'elles grosses, soient grosses partout. C'est comme un gros avec une grosse grande, c'est rare. Je le sais. Ben, faut te dire, plus c'est gros à grandeur, là. Non, mais c'est parce que là, l'excuse, ça devient... c'est parce que je me sers du reste pour pousser fort! Donc, bravo Martin Côté. Il va falloir que je marque 18 ans et plus. Ouais. Ça arrive, hein, quand je fais des meldés ou ce que je suis vulgaire ou quoi, j'écris 18 ans et plus, puis je mets un avertissement. Cette vidéo n'est pas requis pour les... Non, non! Pierre-Luc, j'espère que non, mais pas Pierre-Luc Gagnon-Fortin, lui je sais qu'il est assez grand, mais le petit Pierre-Luc, là, j'espère que t'as pas pris de pot. Marco va me chicaner. Donc, base E pour les Rangers. Encore Oscar Lindbergh Rookies, numéroté sur 699 et 2 base, ainsi qu'un magnifique. Je suis content parce que le monde commence à écrire, où c'est qu'on trouve ça des decoys? T'sais, fait que, moi je suis content, j'en ai. Donc, c'est Martin Gravel encore ça. Oui. Les Rangers? Oui. Ben, c'est ça. Il y en avait déjà une là. Ouais. Ben, tant mieux. C'est juste de valeur que ma mère, elle y va pas là-bas. Déjà des Rangers, on dirait que c'était deux Oscar Lindbergh. C'était la Oscar Lindbergh box. Ouais, pis là, si tu as payé dans la même. Si t'es dans la même caisse que la tienne, ça serait une Oscar Lindbergh case. Ah non, je penserais pas. Non, moi non plus. Mais fournir mon histoire, j'avais une belle Paul Kennan, deux couleurs. L'œil de la roue, là, le centre du tire. Pas le centre du pneu, là. Du tire, ça vient de toi, c'est en anglais. C'est ça. Oh, ouais, donc une belle McDavid. McDavid. Je t'en souhaite pareil parce que ou une Canadienne, tu sais. Oh, mais t'es une Canadienne. Ouais, une belle Brendan Gallagher. Yeah. Donc, base pour. Hey, il est dans mon pool. Pour Anaheim, qui est sorti tard. Martin Côté a comme levé le nez sur Anaheim. Donc, de base. Fait que c'est sorti à la fin. C'est peut-être Kevin. Attends. Non, c'est Éric Bellemare. Il a décidé de prendre les deux clubs de la Caroline. Pas de la Caroline, de la Californie, pardon. Tu sais, le cerveau, les mains, puis la gueule se font aller en même temps. Là, c'est dur. OK, puis moi qui bois pas, j'ai bu hier. Deux grosses.
Oh, tabarouette. Trois grosses. Ça fait. Non, ils ont bien rentré. C'est ça l'affaire. Ils ont bien rentré. Écoute, je ne sais pas que ça m'a donné du courage. Moi, ça m'a rendu plus calme. Donc, base. Oh, c'est rouge. C'est-tu rouge, c'est orange? C'est rouge. Je le reconnais-tu? Ça ressemble à un flingue, ça. C'est... Ben, j'avais pensé à Sean Monahan, mais numéro 5, non, je pense. Ah, oh. Noah Hanifin pour la Caroline. Ouais, ça, je pense. Ouais, c'est moi. Es-tu sérieux? Ouais. Ah, ben, crème, je suis content pour toi. C'est vrai, t'as collé à Caroline. À la dernière, parce que justement, j'avais vu qu'il y avait des Noah en effet. Toi, c'est une fic. Tu sais, ça fait peur. Tu sais, c'est métallisé, puis regarde le coin, mais c'est, coins, il n'est pas cassé. Il est, c'est juste comme ça, l'épaule. Ça fait peur. Ouais. Ils sont épeurants, ceux-là. Tiens, j'ai pas de plastique de cette épaisseur-là, fait que au pire, là, je te mettrai ça dans en deux décoils. Ouais, en deux décoils. Non, juste dans une enveloppe blanche avec un scotch tape pour pas qu'elle se déplace. Non, dans deux décoils, ça va. Hein. Oh, oui, non, ça marche, mais hey, les décoils, là, sais-tu combien je vends ça? 10 cents chaque. T'es malade, toi? Des communes. Hey, c'est pas des communes. Hey, ça vaut bien plus cher. Regarde. Non, moi, un joueur qui est pas bon, puis que t'aillis. Hein? Ben, regarde, ils ont pas investi dessus, ils l'ont gardé vierge pour cette raison-là. On continue. Donc, base, ici, on a une recrue, vous l'avez vu. Max Domi! Fait que vraiment... Martin Côté. Martin, félicitations, Chami. Content. Il n'est pas dans mon pool, là. Mais je l'aime bien, m'impressionne. Je pense que c'était la patch. Oui, non, ça s'enligne pour ça. Là. Sauf que c'est supposé être une patch rookie auto par boîte. Oui. Sauf que elle n'est pas patch. Mais c'est ce qu'on va voir. Parce qu'il était red, parce qu'il est supposé avoir. Moi, j'ai poigné deux jerseys. Mais tant mieux. C'est vrai, parce que t'as une red glow, je pense, par boîte. Je suis même pas sûr de ce que non, ça doit être une parce que moi, j'ai pogné dans un break l'année passée, il y a deux ans, Brandon Gallagher. Puis j'étais vraiment content, là. Sur 36. Je parle des numéros. Sur 36. Donc, ici. J'ai même pas remarqué que c'était Dylan Larkin sur le top. Mon beau Dylan Larkin. Oh! C'est pas ça. Non, ouais, mais il y a un dessin là d'un des. Base! Pour Vancouver! J'avais pogné ça, là. Jed McCann, Decoy. En tout cas, c'est moi qui ai plus chanceux. Moi qui ai plus chanceux à date, j'ai quasiment des hits dans tous les paquets. Pas vous écœurer avec ça, là. Moi, je fais le tour des bains, après. Si j'ai juste 2-4 pour 60$, je ramasse les bains avec. Attends, je vais aller chercher Popoche. Ouais. Moi, il s'appelle Popoy. Popoy. En fait, non, il s'appelle Rick. Puis tu baiseras pas longtemps avec Rick. Donc, Vancouver, félicitations, Vancouver. Oh là là. Oh, c'est Lily! C'est Lily! Ouais. Hein? Ouais, je ferais. Où c'est que tu m'as mis Lily, toi, là? Là? Ouais, ok, je pensais que tu avais montré l'autre au-dessus. Qui sont... J'aurais donné Loulou! Ouais, ben. Puis l'autre, il y en a une qui l'a appelé Krusty. Mais c'est vrai qu'elle a un petit quelque chose de... Tu sais, si tu dis qu'il y a des extraterrestres à la planète, là, tu... Ah, elle, d'après moi, là. Donc, base pour... Martin Côté. Hey, Colin, c'est toi du Martin Côté ou du Jamie Martin? Ben! Il l'aime, Jamie Ben. Je suis content. Base. Donc... Ah, il reste un paquet. Ah non, c'est le paquet de chanceux. Ouais, c'est ça. C'est lui avec la Connor McDavid. Je vais faire comme. Non, ça regarde pas bien, parce que les trois leaf metal sont là. Ouais. Ça va être une comme ça, je pense. Une leaf showcase. Tu penses? Une flare showcase? Une flare showcase? Ouais, parce que c'est ça que moi j'ai pas mis à peu près. C'est la flare showcase. Ah. Pour clé. Ah, ça, j'haïs ça. Qui gratte ça? Je le sais pas. Ding. Pas moi? Non, ça c'est. 20-59, ça fait 10 minutes. Pourquoi je l'ai là sur ma tablette? C'est facile. Parce que... La tablette, avec ma tablette, je suis obligé d'avoir Messenger pour avoir la communication Facebook. Mais là, je vais le désinstaller, ça me gosse. Il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans.
Puis en même temps, moi, le fait d'être rejoint en tout temps, ça m'énerve. Alors, base! Okay. Oh, non, c'est ça a l'air d'un goaler. Ouais, il a l'air d'avoir une pad. Ben, ça, c'est un blocker, ça. OK. Ça, c'est un blocker, puis ça a l'air... J'irais Malcolm Subban. Ouais, pour Boston, ouais. Donc... Kousmi. Dis-le pas. Oh, t'es fort. Oh! Ben. T'es fort. Ben, j'imagine. Je me serais pas pardonné, il aurait fallu que je compense. Déjà, oui. Donc, Malcolm Subban sur 499. Félicitations. Martin Dubourg. Qui? Martin Dubourg. Martin Dubourg. Bon, ben, mon Martin, t'auras pas été en vain cette fois. Puis, il reste une boîte. Il a pris, Martin Gravel, il a pris des clubs. 1, 2, 3. Il a fait comme moi le dernier break. 4, 5. Donc, un petit résumé. On va y aller dans l'ordre de ce qui impressionne, je crois. Fait qu'on commence avec celle-là. Ça doit être une patch. Donc, de Rantanen. Auto-rouge. Auto-rouge. Donc, numéroté, oui, c'est vrai. Parce qu'elle est numérotée en plus 25. Sur 25, ce qui est peu. Alors, félicitations. Dommage que ce soit blanc. Ça aurait été le fun qu'il y ait plus de couleurs. Alors, on continue. Max Domi dans le Metal Universe, ainsi que la recrue sur 699. Ensuite, Léa Oscar Lindberg. Donc, Oscar Lindberg en Flair Showcase, la carte recrue numérotée de 699. Voilà, ça va comme ça, même si la carte est insérée à l'envers. Celle-ci, donc ça c'est quoi? C'est une Flair Showcase de Steven Stamkos. Flair Showcase de Jamie Benn Dallas. Pour... Noah Hannifin de Caroline. Oui, oui, je ne la vois pas, mais c'est, en fait ça a été la deuxième, j'aurais dû montrer. Nick Ritchie, hein, c'est encore du Metal Universe. Oui, Metal Universe. Et ça c'est fait, ça c'est fait. La John Tavares Jersey Flair Showcase. Brendan Gallagher. Gallagher. Et on termine donc Jared McCann en Metal Universe et Malcolm Subban numéroté sur 499. Donc j'attire l'attention sur ces deux-là qui sont sur 699, celle-là est sur 499. Alors voilà, c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Ouais, tu veux, ok. Je vais zuter qu'est-ce qu'il y avait dans les bases. Pas de problème. J'ai le goût de voir s'il n'y a pas de... Amuse-toi. Du Winnipeg's, du Saint-Louis. La Caroline. Bonne chance. Donc juste avant, je vais dire le numéro. Donc NE22-13-18-800. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tôt par souci de transparence. Comme je suis pas l'homme invisible et que je déplace de l'air. Alors, c'est ça, ben la Davy Cup, hein, la Davy Cup, c'est le Davy Pool, c'est mon pool. C'est quoi? C'est 20$ la participation. Il y a des frais de 5$ là, pour le trophée et l'entretien, le pool expert. Bon, je m'occupe de tout ça. Et voilà, donc cette année c'est moi qui ai gagné. Alors ceux qui aiment les poules de hockey, si ça vous intéresse et si vous êtes capable de vous déplacer en octobre, généralement ça arrive à peu près à la même fin de semaine que l'Anti-Expo. Donc il y a des gens qui sont de la région, qui sont pas de Montréal finalement, qui descendent, puis ça donne. Alors voilà, donc Artifacts, 10 paquets, 2, 4, 6, 8, 10. On y va sans perdre plus de temps. Bonne chance, tout le monde. Donc, voilà. Là, verrais-tu, le gars, il ouvre pas la bonne boîte, puis tout mélangé. Alors, une base. Ça, c'est une recrue. C'est une base, ça, ouais. Donc, ici, pour la Islanders, c'est Kevin Dupuis. Donc, Scott Mayfield, rookie. Est-ce que c'est numéroté? Ouais. Numéroté de 999. C'est une belle Georges Larenc. Ouais.
cette valeur. Parce que les enfants les aiment, les Canadiens. Ça, c'est dans, quand je donne un lot, c'est toujours les cartes qui partent les premières. À la règle, je pourrais aller au 91-9 le faire signer, j'aurais une autograph card. Ah, et j'en ai des signatures de la règle. Oh, Colin qui est pas jasant. J'ai trois cicatrices au sur des yeux. J'ai un clitoris trop long. J'ai pas assez de tâtons. Je suis peut-être trop vieux. Pourtant, t'as de l'air d'en avoir pas mal, Dave. Ouais, non, je suis pas pire, là. Je n'ai plus qu'à t'as de l'air d'en avoir pas mal. Ouais, non, non, mais ça, c'est. Ben là, ça doit derrière. C'est ça, je te dis. Ça. Alors, voilà, on continue. Hein, c'est-à-dire. C'est le fun. Hein. Je viens d'écouter un spectacle d'humour. Fait qu'après avoir vu de la vraie humour, là, je tombe des niaiseries. C'est le fun. Oh, God. Alors, Base, une redemption pour... Oh, yeah! Buffalo. On parle-tu de... Ah non, ça, c'est l'année passée. Hein. Faut pas virer fou. Ouais. Donc, Reinhardt, je pense. C'est... Non, c'est Sam Reinhardt. Sam Reinhardt, ouais. Sam Reinhardt, donc techniquement, là, on revérifiera. Par t'as 10$ à peu près. Là. Ah non, plus que ça. Non, la mienne que j'ai pognée, c'était... Ah ok, la Redemption que t'as Griffin Reinhardt, t'as Duclair Reinhardt. Duclair à bout de 10$, ouais. Le devant et le derrière qui ne match pas. Ah. Puis du derrière, sans du derrière. Ah, sans du derrière. Oh, c'est Martin Côté. Martin Côté, nice. Ben, je suis content pour toi, Martin. C'est fun. Ouais, à date, là, ça fait cher la carte. Base! Ah, c'est à moi, Saint-Louis. C'est-tu Saint-Louis? C'est derrière. Non, celle-là. Ah, celle-là. Absolument, Bretta. Ouais, c'est mon joueur. Je pensais que c'était Jamie Benn, par exemple. Pour ouais, Martin Dillon, Côté, Brandon Dillon. Qui est des deux côtés. Pas de jeu de mots mauvais, là. Donc, base, c'est base. C'est exactement la même que j'ai payé dans ma boîte. Bon. Brandon Dillon. Alors, elle est assez. Ah, ouais, c'est ça. Ils ont produit des millions. Putain, le jeune, tu vaux rien, on te donne un contrat de. Tu signes, mais ouais, tu passes ta journée à signer. En tabarnak. Daniel Champagne qui m'écrit, non. Ah, ok. C'est Harry, la joke que j'ai écrit il y a deux jours. Ah ah, c'est bon. C'est une blonde, ça. Ben, en tout cas. Alors, on continue. Ben, ces boîtes-là, il y a deux autos, hein, absolument. Ah, oh, man, il rentre même pas un char d'une boîte. Deux autos. Donc, hey, c'est le fun, ça, c'est beau en dessous, je sais pas ce que c'est. Donc, base, ici, ah, une Jonathan Quick, numéroté de 999. Marco Gionnet. Gionnet. Comme Yves Gionnet, mais avec un Guy. Un Guy. C'est ça, Guy a coupé. Guy G. De NDG. Non, la Chine, j'ai déménagé. Je pense à Mme Brossard, la Brossard. Non, Candiac, j'ai déménagé. Elle est revenue, elle est rendue dans le 10-30. T'as du cash? Non, elle est dans le 10-30. Ben, elle est à la retraite. Puis, elle est dans le 10-30, puis qu'est-ce qu'elle s'ennuie, donc je me rappelle plus. Peu importe. Donc, on continue. Tu sais, quand tu perds ton sujet, tu viens, tu sautes sur d'autres choses. On continue, digidine. Donc, c'était-tu une boîte ordinaire? Hein? Je peux-tu voir la boîte? Y a-tu marqué AB dessus ou retail? Ouais. Il est marqué AB, ça. Non, oui, il est marqué AB, oh, ok. Ça avait l'air d'un fucking retail, là. Y a rien dedans. Donc, Frozen Fabric Rookie. Qu'est-ce que c'est, celle-là? Chez Weber. Non, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est l'autre en dessous. Jonathan Racine. Ouais. Jonathan Root. Roots. C'est un joueur très connu de son père et sa mère. Ouais, non, mais. Je connais pas. Ouais, ben, c'est juste parce que j'ai vu beaucoup de cartes de lui. Ouais, c'est ça. Des bases. Des bases rookies. Ouais, c'est ça. Des bases rookies. Ça remplit bien un lot quand tu sais, c'est. Tu sais, hey. J'ai 12 rookies numérotés. Non, mais tu sais, je t'ai mis 250 Young Guns. Ok, il y a 200 Jonathan Racine dedans. C'est une valeur de 6$. Que je te dis pas, fait que je te laisse découvrir. Donc, Jonathan Racine pour la Madame Racine. Tatienne de Floride. Mais tu trouves pas, il y a la face d'Yves Racine. C'est peut-être le fils d'Yves Racine. Te souviens-tu d'Yves Racine avec Détroit? Non? Il y a comme une folle.
C'est comme j'ai joué au hockey parce que si je me fiais sur mes résultats académiques. Pour faire de l'argent dans ma vie. Oui, ben regarde, ça sert à rien d'être intelligent, regarde-moi. Alors, on continue. Oh, c'est vrai. Emerald et c'est épais. Oh, c'est mon artifact rookie. Brent Seabrook Base. Cal Turris Base. C'est Léon DeSanto. Ça a l'air d'un goaler. Oh, c'est un goaler. Ah, hey, il est dans mon pool. Qui est-ce? Puis ça a sorti à la fin, puis je la voulais. C'est Reg. Réjean Gilbert. Oh. Corey Schneider. Corey Schneider sur 75 patch et jersey. Félicitations. Pas ça, le pire, là, c'est que je les lorgnais, les deux derniers clubs, là. Je faisais à Chris, personne ne les prend, je vais les prendre. Là, le gars, il crie, je vais les prendre, moi, les deux pour 12$. Je pense que c'est 15$ au total, les deux. C'est pas d'argent, mon grand. Fait que... Alors moi, ça a été Brodeur, ça a été mieux. Mais finalement on n'a pas accepté son offre. Brodeur, ça a été mieux. Oui, ben c'est ça, j'aurais vraiment aimé ça. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais prendre... Il y avait qui, là, Toronto, c'est, je ne sais même pas pourquoi. Hey, espérer une Martin Brodeur de Toronto, ça n'existe pas. Alors, ici, encore une carte un peu épaisse. Alors, on va y aller par l'arrière. Mike Richards. Ça, par l'arrière. Base, oui. Oh, Canadien, c'est moi, ça. Ben, tabarnak. Piqué Subban, bang. Tundra Tandem, Subban Pacioretty. Est-ce qu'elle est numérotée? Non, mais tu vois, il y a une petite chose dessus. C'est une crotte de nez de Piqué Subban, madame. Une crotte de nez noire, fait que ça se peut. Si vous êtes épais, les gars, ouais, c'est ça. On va prendre une penny sleeve pour les cartes épaisses. Pour être sûr de scraper le coin. There you go. Non, mais justement, t'es moins sûr de scraper le coin, ouais, avec ceux-là. Ouais, c'est ça. Puis ils sont plus larges. Tout ça, je prends. Les jerseys, d'habitude, le monde prend les régulières. Mais moi, je me suis rendu compte que j'ai bien plus de facilité. Ah ouais, ça rentre bien mieux. Puis j'ai pas le goût de me casser le bessic. Ben c'est le... Écoute, quand je le fais pour moi. Le coin, là, il veut jamais rentrer le deuxième coin. Hein, c'est... Et c'est parce qu'il faut pas rentrer trop la carte. Le monde, c'est ça le défaut qu'ils font. Ils rentrent la carte trop. Chut, chut, solve the puzzle! Oh! Déjà, c'est David. Bravo, David. Donc, Matt Reed. Mais c'est pas recru parce que c'est pas en 2011-2012. Oh! Frozen. C'est encore à moi! T'es-tu sérieux? Ben David, ouais. Perron. Nice! Ben, j'ai appris Edmonton pour Connor McDavid. Bon, on va prendre David Perron. Ça va faire un petit fond pour... Un petit fond. Ça débouche les toilettes. Un petit fond. Trois petits coups et puis s'en vont. Hey, je vais te donner celle-là aussi. J'imagine que tu vas vouloir. Donc, une base de Ryan Nugent-Hopkins. Ouais, on prend tout. Hein? Ah, ben, OK. Base celle-là. Et pas base. Non? Donc, base... Oli. Base. Ok, regarde, est différente. Ouais, est spécial, spatial de. Reconnais-tu, lui? Ouais, John Leclerc. Non. Oui. Regarde-y bien les yeux, là. C'est vrai que de loin. Regarde, c'est spécial. Regarde, je vais redescendre un petit peu. Tu vois, c'est pas John Leclerc. Une notion de ça. Ah, t'as vu ça, maudit. Pas le café? Non, ouais, c'est ça. Puis là, tu dernier capitaine du Canadien au forum. 25. Elle est numéro sur 25. Wow! C'est le fun, hein? Là, le monde, là, ça va se prendre des. Ça va prendre des autobus là, de fin de soirée pour venir regarder les breaks. Les breaks live. Tu sais, comme hey, ça a l'air que ça porte chance si elle est live. Ouais, c'est ça. Ça porte chance. On sort avec 4 cartes à date, là. On s'attendait à avoir une McDavid, d'avoir une Zach Foucault rookie. Ben, tu peux t'en avoir une McDavid si tu veux. Ouais, il me reste 25$. J'en ai une pour 25$. C'est ça. Elle va être verte. Donc, ah ben wow. Tiens, félicitations. Wow. Dernier paquet. Oui, je vous crisse patience après ça. C'est ma femme qui est soulagée. Es-tu là, ma femme? Ben oui, au chouet. Ah, OK. OK, au chouet, dans la chambre des enfants. There you go. Donc... Oh, une rouge. Une rouge. Donc, base... Cody Ladd. Base. C'est une base de Andrew Ladd. Ouais. John Tavares base. On va montrer le DK. Ah. Le mal-aimé. Michel Richard. Sur 599 pour Marco Guianet. Ouais,
Donc, 3 hits pour Marco quand même. Pour une première fois, c'est pas rien. C'est pas les gros hits, par contre. Mais au moins, c'est mieux que rien. Ouais. Fait que ça, au moins, ça va me permettre d'y envoyer sa Gretzky. C'est ça que ouais. Ça veut dire. Puis, là-dedans, sa Gretzky. Hein? Ouais, ouais. Alors, voilà. Donc, petit récapitulatif de Artifact. Donc, Martin Côté... Sam Reinhardt probablement en Redemption, ça reste à vérifier. Marco Guionnet, Mike Richards, Emerald. Pas Emerald, Ruby, pardon. Emerald pour Reg Gill ou Régent Gilbert, Gilbert, Corey Schneider, Patch Jersey sur 75. Merci. Fait que Marco, je vais t'insérer la Gretzky base. J'ai pas vu qu'il y avait la Floride. Je pense que c'est Martin Dubo peut-être. Alors, Jonathan Racine sur 999. Pour Marco Guionnet, Jonathan Quick sur 999. Pour Martin Côté, Brendan Dillon en Autofax. Donc, auto. Pour Kevin Dupuis, Scott Mayfield, rookie, sur 999. Et de notre ami Sylvain McNeil, donc je pense un des très chanceux ce soir. Alors, la Pierre Turgeon sur 25, elle n'est même pas signée. Non. Je pensais que c'était sûr qu'il était signé. Non, c'est une genre... Une parallèle. Ouais. David Perron, Frozen Artifacts. Tundra Tandem de Pacioretty et Subban. Les deux sont dans mon pot. Puis ça, c'est étonnant. Non, on est un. Fait que tu vois, regarde, tu peux mettre au moins deux. Tes deux. Deux petits. Ouais. Ouais, les deux meilleurs, genre. Ouais. Ces deux-là. Alors voilà, donc c'était le break numéro 16 de NHL From Break and Rise. Un grand merci à tous. J'espère que vous serez satisfaits de votre récolte. Désolé pour ceux qui n'ont rien. On peut pas frapper à tout coup. On peut pas faire des grands coups, des coups de circuit à tout coup. Et pour la semaine prochaine, ce que nous devrions avoir, c'est du SPX avec... du Select, donc du Upper Deck et du Pelini. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve prochainement, probablement dans les prochaines 24 heures, pour les préparations d'envoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vos bases et que vous avez des hits, faites-le moi savoir. Si vous voulez vos bases et que vous n'avez pas de hits, écrivez-moi en privé, on s'arrangera, parce qu'à ce moment-là, je vous laisserai mon adresse PayPal ou quoi pour le... On discute. Au prochain break, tu y envoies ces cartes avec. Si... Techniquement, c'est chaque break. Okay. Je veux pas mélanger, ouais. Parce que je profite des bases qui restent pour les donner aux kids. Alors voilà, donc j'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de rester en santé jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et ne manquez pas mes différentes capsules durant la semaine. Bonne semaine. Salut.